Abonnez-vous à la chaîne pour voir les dernières vidéos. Dolly Parton a pris de l'âge, certes, mais elle n'a rien perdu de son charme. À 75 ans, celle que l'on appelle la reine de la musique country, est mariée au discret businessman Carl Thomadine depuis 55 ans. Et elle sait comment entretenir la flamme au sein de son couple, à l'occasion de l'anniversaire de son conjoint, qui a soufflé ses 79 bougies le 20 juillet 2021, l'artiste a souhaité lui en mettre plein la vue avec une tenue très osée déjà connue du public. En effet, sur Instagram, l'interprète de Jolene, qui a également écrit et composé plusieurs tubes comme You Will I Love You repris par Whitney Houston, a partagé une vidéo dans laquelle elle arbore un look sexy bunny, la mascotte du magazine de Hugh Hefner. Oreilles de lapin sur la tête, bustier noir au décolleté plongeant et nœud papillon. Dolly Parton explique qu'elle a revêtu la tenue qu'elle portait en 1978 en une du magazine Playboy. Elle avait alors 32 ans. Vous vous souvenez d'il y a plusieurs années de cela, quand j'ai dit que je poserais pour le magazine Playboy à 75 ans? Eh bien j'ai 75 ans mais le magazine n'existe plus. Mais mon mari a toujours aimé la couverture que j'ai faite. J'ai pensé à une surprise qui pourrait le rendre heureux. Il dit qu'il me trouve toujours très désirable après 57 ans de vie commune. Raconte la marraine de Miley Cyrus, que l'on a pu voir à l'écran dans la série Glee. L'artiste confie aussi qu'elle a fait un shooting photo dans cette tenue digne d'une pin-up des années 50. Elle a également recréé une nouvelle une de magazine et a offert le cliché encadré, ainsi que la une d'origine, datant d'il y a 43 ans, à son compagnon. À la fin de la vidéo, on peut voir Dolly Parton dévoiler ce cadeau peu commun à Carl Thomadine, assis sur un canapé. Un anniversaire qu'il n'est certainement pas prêt d'oublier.